Et c'est YouTube, Sarcantor. Du coup, on va s'occuper du sous-marin. Du cyclope, comment je l'appelle? Comment je l'appelle? Je l'appelle. On va l'appeler Joe, parce que j'ai Bob et Billy. On va l'appeler Big Joe. Montre les couleurs. Les couleurs. Je vais faire en blanc. Blanc et vert. Noir et vert. Mais si je le fais en noir, je vais pas le voir. Non, on va essayer en blanc. Et le nom en noir, ouais. Ça devrait marcher comme ça. On va les voir de dehors. Du coup, je coupe tout ce qui vous donne énergie. Parfait. On ne sait pas où est son nom. Ah, il est là. Ok, bah du coup, on a le cyclope de près. Et bah, je vais juste aménager encore un peu la base. Genre, je veux changer de trois trucs qui me plaisent pas. Du coup, toi. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah, j'ai mis une échelle, ouais. Faut virer l'échelle d'abord. Juste réaménager ça. Allez. Voilà. Les tubes. Je vais faire tout bête, hein. Je vais juste changer de sens. Du coup, un tube. On va peut-être prendre un sucre en verre. Est-ce que j'ai moins du verre? C'est la question. Là, en énergie. Attends, je vais montrer ça. Je tourne juste avec un panneau solaire et deux bioreacteurs. Mais je vais en rajouter encore quelques-uns plus tard. Genre j'en ai un là, j'en ai un au-dessus. Mais je vais sûrement mettre encore deux de plus pour produire. Et être tranquille. Ici je veux des fenêtres. En gros ça va être ferme de... Ferme de quartz. Bon, j'en ai déjà plein en fait. Et par contre il me reste plus de verre. Ah, c'est dommage. Des fenêtres partout. Ah oui, j'ai plein de quartz. Bon, on transforme tout ça en vert. Et en gros, mon but, c'est pour l'instant, je tourne au bioreacteur. Mais dès que je débloque, je passe au nucléaire. Et genre, je mets 3-4 stations à la chaîne. Et encore un plus. Et j'ai cliqué trop vite. Ok, il me reste une quartz. Il faut que j'aille dehors. Alors ici. Oh, est-ce que je fais... Oh, est-ce qu'on fait pas un thé plutôt? Un thé en verre. Est-ce qu'il y a ça? Non, il n'y a pas ça. Donc là, j'ai une nouvelle valeur de 7. 7, c'est pas énorme. Il faudra que je augmente ça. Là il faut encore un tube, peut-être pas en vert. Regardez un peu. Et là, encore un malheureusement. J'ai titane, c'est bon. Voilà, c'est dans celui-là que je vais plutôt faire mes trucs qui descendent. Sauf qu'il m'en faut deux et j'ai plus de titane. C'est ce que je pensais. Et celui-là on va le pousser vers un laboratoire. Vers un observatoire. Il faut du verre émaillé. Ah ouais. Ça déconne pas. Bon, j'ai encore un genre ce qu'il faut en verre. Je peux le faire. Et j'ai encore des dents de rôdeur. Tout est faisable. Welcome aboard, Captain. Pas mis ici. Je sais, faut que j'arrange tout ça, je le ferai plus tard. Hop. Du verre émaillé. Et je vais chercher du titane parce qu'il faut que je fasse des renforts. Ma base elle commence à être juste en solidité. Donc il faut du lithium et du titane. Où est-ce que j'ai laissé Bob? Non, Billy, c'est Billy qu'il me faut. Billy! Laisse-moi monter, Billy! Laisse-moi monter! Ah, je peux monter. Je vais aller voler les trucs au...
Commandeur. Vu qu'ils font des stocks, autant les récupérer. L'inventaire il est pas vide? Non. J'aurais peut-être dû le vider avant. Oh! C'est intéressant. Évidemment, c'est pas content. Oh, c'est beau! Oh! Je te l'ai embarqué celui-là. Alors, on va stocker là-dedans directement. Je s'en prendre plus. Oh, il y a un titane là-dedans. J'ai un peu cassé mon bélier. On va réparer. Alors, toi, pour l'instant, je fais beaucoup d'équipements, je construis mes bases, je m'installe bien. Je m'équipe en beaucoup. Et après, j'irai explorer plus bas. On va voir un peu ce qui cache en profondeur. Mais déjà, je m'équipe bien. Je fais tout bien. Je veux être prêt pour y aller. C'est pas caché beaucoup de métal ici. Hein. Ah. Des débris. Il faut en plus. Ok, il y a un rodeur ici, donc peut-être une cage en dessous. Ou au-dessus. Non, ils ont pas caché de métal. Il doit y en avoir quand même. En fait, je ferai juste une pile et c'est fini quoi. J'arrive quand même qu'ils aient pas fini une intelligence assez haute au rodeur pour les cacher dans les grottes. Mais ça m'étonnerait. C'est plutôt embêtant tout ça. Ok, il y en a 3. Oh là, encore. Là et ici. Hop. Bon, du coup, YouTube, ça sera un épisode farm, si c'est celui-là. La base, voilà. Et je pense que là, j'ai assez de titane pour tout. Je m'occupe des améliorations pour eux là. Non, c'est bon, tout repart. Je me garde pas chez toi. C'est d'en voir Billy à Marie. C'est côté génial. Ok, du coup, titane. Hop. Ça. Je vais prendre du lithium pour aller m'occuper du reste. De toute façon, je pense que les salles à énergie vont finir en salle blindée, tout bêtement. Hop. Alors, du lithium, j'en ai plus des masses. Peut-être ici, peut-être. Tiens, j'en ai encore un. Ah, j'ai plus de place. Bah, j'ai plus. Ah, si, là. Ouf. Échange, hop. Du coup, cette pièce là va entièrement être blindée. C'est moche, mais au moins ça résiste. Voilà. Ouais, ça fait 7 points par 7. C'est génial. Ça, c'est là-bas aussi. Je me suis coincé dans les trucs. Voilà, comme ça, j'ai une grosse marge. Je peux bien avancer. Et du coup, je vais faire mon observatoire dehors. On va le faire là-haut. Même s'il n'y a pas grand-chose à voir d'ici, mais... Unless constructed with a specific research task in mind, observatories and other glass modules are imprudent for survival purposes. Le scanner, j'aimerais le faire en bas, en fait. Hop, ça, voilà, ajouter là. Et si je me suis pas trompé, je devrais être bon pour mettre un tuyau qui va se relier. Ah voilà. Sauf que je vais mettre celui-là, je vais mettre un T plutôt.
Ah ouais, c'est clair. Un virage peut-être? Est-ce que ça marche ça? Non. Ça ne marche pas. Du coup, ouais, il faudra un T, mais... Le T ne pleut pas en fait. Partir à gauche, à droite. Si je tourne. Ouais bah tiens, on va aller. On fait ça. C'est pas ce que je préfère niveau forme, mais... En fait, je vais juste laisser le scanner... par là ou par là? Non, par là plutôt. Je vais garder du verre. Trop proche, on va faire encore un bon. Du coup, on va faire un en verre. Le suivant. Hop, ça, là. Et... un coude en... Ouais, si ça revient comme ça. Et du coup, le scanner, ici. Et j'espère qu'il va se relier, par contre. 30 seconds. Ouais, c'est pas grave, ça. Ah non, parce que du coup, il s'est posé contre l'autre. Alors, ça va le faire. J'ai plus d'air. De l'air. Voilà. Donc si tu fais ça, ça va parce qu'il n'y a pas de tiscole au... à cette pièce-là. C'est pas ce que je veux. Moi je veux que tu t'accroches là plutôt. Voilà. Donc il me faut du cuivre, de l'or et du corail plat. Je vais voir si le corail plat c'est celui que je coupe ou c'est celui qui se récolte. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est l'autre? Tubulaire. Ça répond pas à la question. Bon, je pense c'est celui-là plutôt. Hop. Corail plat. Ok, du coup, il me faut du cuivre et de l'or. Et je vais tout avoir pour finir ma pièce. Et comme ça, la base, elle est bien avancée. De l'or et du cuivre. J'en ai pas ici. De l'or, j'en ai là, et du cuivre. Je rentre plus parce que c'est pour me servir. Non, pas ici. Là, hop, un cuivre. Voilà. Je vais se commencer dans l'escalier. Et après, je pense qu'on va essayer de rendre tout ça plus joli. Du verre, il m'en reste qu'un. Ah ouais. Et voilà. En fait, j'essaie aussi de me consommer l'énergie parce que... Déjà, quand je vois avec deux générateurs, je produis plus que ce que je consomme. Mais ma base me plaît. Alors, ici. On va faire un module pour moi, déjà. Caméra, j'ai pas besoin. Magnétite. Ok. De l'or pour la vitesse. D'accord. Ah, de l'argent aussi. Donc ça on va éviter. Ça il m'en faut un. Donc un circuit intégré. Ok, donc c'est beaucoup de magnétite. Bon, je vais chercher ça. Et du coup on est pas mal. Morceau de calcaire, morceau de grès. Bon, on cherchera derrière break. Soufre de cave, titane, épave. Oh. Ah il cherche les épaves aussi. Il en voit une. Je vais explorer celle-là. Je vais laisser en marche. Ça consomme pas beaucoup. On a dit qu'il fallait. J'ai oublié. J'ai oublié. Ah oui, j'ai. Il me parle de poisson rouge. J'ai oublié extrêmement vite. De la magnétite, c'est ça que je sais pas. Il y a un circuit intégré. Je pense qu'on peut pas faire. Welcome aboard, Captain. Ouais, voilà. Pas mal ça. Ça et une échelle. Pour remonter. Et du coup ça relie mes deux bases. Voilà. Au moins la base est bien construite. J'ai la plage, j'ai ce qu'il faut. Et si jamais j'ai besoin, je rajoute des pièces. Des grosses salles circulaires. Il me reste 4, faut que je
fois que je les mange, faut que je les coupe. Allez. Il y a toujours du mal pour la dernière. Allez. Et là, ça m'en fait une plante entière. Voilà. Donc on a dit cuivre, magnétite et un circuit intégré. Magnétite, j'en ai là, on va tout prendre. Et un circuit intégré. J'avais fait un tout à l'heure. Fil de cuivre, de l'or. Et les coins est plat. Il faut un d'or. Alors j'en ai plein. Je prends du corail et j'ai tout. Je vais juste éteindre ce. Voilà, ce sonar parce qu'il m'énerve. Il sert à rien le sonar. Voilà. Et là on est bien. Comme ça le scanner je le booste, je me mets un truc dans le casque pour voir où il scanne. Intégré, hop. Voilà, super. Et du coup, il faudra que je referme du quartz pour faire toute ma déco en vitre. On a l'observatoire ici. C'est quand même cool. J'aime bien. Et donc ici, là, ce couloir. Alors, déjà, la puce. En fait, avec la puce, je peux voir ce que le scanner me montre au final. Parce que de base, tu peux pas le savoir. Je vais en faire 4 si je peux. Et je peux. Hop. Et là, là, il voit toutes les épaves autour. Ce qui est vachement pratique et vachement intéressant. Voilà, et là, je l'ai boosté, mais comme pas possible. En fait, le fait que j'ai crafté la puce, donc ça là, c'est pour justement que voir où c'est. Donc là j'ai un scanner vraiment à pleine puissance qui visiblement me consomme plus que ce que je produis. C'est pas dérangeant mais... Ah, il a une épave en dessous aussi. Mais celle-là ce qui est dangereux c'est qu'elle est sous l'aurora je crois. Et il en voit plein. Nous on est là, on est le centre. Le vaisseau craché, je crois qu'il apparaît... Non il apparaît pas. C'est quand même fort. Moi j'adore c'est voir, voir la carte comme ça. Bon du coup ça c'est cool, moi c'est fait. Bon je vais arrêter de scanner, hop. Si ce qu'on peut scanner c'est le quartz, vu qu'il m'en faut plein. Il va tout afficher au fur et à mesure. Il n'en a vu qu'un pour l'instant. J'avoue, je mets jamais de vitesse parce que j'ai le temps en fait. Je laisse bien scanner pour prendre son temps. Les deux en bas. Je vais les récupérer. Et voilà, et là il les voit au fur et à mesure. C'est vachement pratique, je trouve. Bien que je suis dans l'herbe quand même. Est-ce que c'est parce que j'ai déjà ramassé ça? Non, ça a pas l'air. Bon, ça va, au moins il fonctionne bien. Parce qu'à l'époque il y a quelques bugs où en gros il te montre encore les zones que tu as déjà faites. C'est nice, on est là. C'est là comment qu'il a vraiment la masse répartie, mais. Batterie, hein. Changer là-haut. Je vais rentrer par ma trappe normale, je pense. Déjà, j'ai pas mal de quartz, on va refaire du verre. La charge.
charger. Alors toi, du vert, du vert, du vert et du vert. Ok, j'ai pas fait beaucoup. On prend le fabricateur. C'est ici que je veux des vitres. Donc là on est à 11. Ok, je perds 1 de résistance par vitre. Les pompiers qui passent. Je vais en mettre une ici. Ok, j'ai plus de verre. Chercher plus de quartz. J'ai peut-être trop de billy pour chercher le quartz. Tu me diras, ouais, j'ai ce truc qui marche. Donc là, il est dans la crevasse. Donc il y a des... de l'or. L'argent, c'est bien. C'est toujours bien l'argent. Ok, il y en a beaucoup dans, en dessous là. Là c'est une petite grotte, je dirais. Ah, pas le fond. Oh, intéressant. Du plomb, voilà ce que je veux. En fait c'est bête, mais le plomb, moi je me suis dit ouais, ça sert à rien, je vais pouvoir ramasser beaucoup. Et au final, il en faut pour beaucoup de choses. Bon, ce qui est aussi très intéressant avec la salle de scan, c'est qu'elle donne accès à des petites caméras qui ont une portée assez courte, mais c'est quand même pratique. On voit rien par contre, avec les arbres. Voilà, les requins qui m'envolent là. Ils l'ont bien caché quand même, le quartz. En tout cas, ouais, la salle de scan, c'est vraiment un gros plus à avoir. Hop, celui-là encore, et on a pas mal déjà. Ah, l'oxygène. On rentre à la base. Hop, ça, et c'est good. Et on rentre. Ouais, 15, ça devrait aller encore. 12. 9. Ah bon. Large. Du coup, fabricateur. J'hésite presque à en foutre un deuxième de fabricateur. Parce que la base commence à être grande et... Je sais pas, je fais tout le chemin pour aller à l'entrée. Alors, du verre. Beaucoup de verre. J'ai cliqué trop tôt. Hop. Ok. Bon, du coup YouTube, la vidéo fait déjà 30 minutes. Du coup, je vous dis à plus tard, Star Contour.